à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un partenariat avec le site One Day Ideal. Et donc, j'ai toujours un budget de 30$. Là, il y a eu un petit souci avec ma commande. Il y a un article que j'ai commandé qui était plus disponible. Donc, voilà. Donc, j'ai pris un DP. Un nouvel objet. Enfin, c'est pas nouveau, je pense pas que ce soit nouveau, mais c'est nouveau pour moi. Et deux stylets. Alors, on va commencer par les stylets, ils sont là. Hop, bon, vous les connaissez, hein. Moi j'en avais pas encore. C'est ces petits stylets-là en forme de rouge à lèvres. Avec, oh, voilà, il fait le point, avec des petits diamants à l'intérieur. Et voilà, je vais pouvoir tester ça. Je pense que ça devrait aller. Hop. Moi, je suis difficile avec les stylets. Quand ils sont trop gros, j'arrive pas. Donc, quand j'ai pas accès à la pointe, je veux dire, j'arrive pas. Donc, hop, donc celui-ci. Bah, celui-là, j'en ai déjà. Je crois que j'en ai. Mon rose, il est dans ce genre-là. Sauf que là, il est jaune. Du coup, je l'ai pris jaune. Attendez. D'accord. Hop. Avec les petits embouts que moi j'utilise pas. Ces petits embouts-là, moi je les utilise pas. Hop, la petite raclette pour aligner les diamants. Et voilà le stylet. Donc ça c'est à peu près le même que le rose que j'ai déjà. Voilà, en jaune. Ensuite, je vais vous montrer la toile. On va déjà faire la toile. Alors, je vais mettre ça sur le côté. Avec les embouts. Donc la toile, c'est une petite. Hein. Je reste sur les petites toiles pour qu'elles aillent plus vite à faire. Parce que j'en ai encore beaucoup, beaucoup à faire des toiles. Donc je prends des petites toiles quand j'ai des petites toiles qui me plaisent. Je cherche l'ouverture. Je vais essayer de ne pas couper la toile, ce serait bien. Voilà. Hop. Donc normalement c'est du diamant rond. Je demande toujours du diamant rond, vous le savez maintenant. Alors c'est une toile en diamant rond en 30 par 30 et elle a 11 couleurs. Hop. La voilà. Titi et Gromini. Tom et Jerry. Ma petite toile Tom et Jerry. Donc vous avez toujours le toolkit de base avec barquette, stylet et pince colle. Et voici les diamants. Bon, vous savez, je déballe pas. Je déballe pas parce que je la fais pas tout de suite. Hop. Ben, elle est un petit peu chiffonnée, mais quand vous la mettez à plat, ça reprend sa forme. Hein, c'est pas gênant. La colle. Colle très bien. Hop. Je remets bien les bords pour essayer de la mettre à plat après. Voilà.
Donc voilà pour la toile. Et je vais découvrir avec vous le dernier objet. Voilà, donc c'est un endroit, ce sera mieux. C'est un genre d'aspirateur à diamant. Donc vous savez, j'en ai déjà un, celui que tout le monde a en forme de nounours. Et là, j'ai pris celui-ci, je le trouvais mignon aussi. Donc, hop. Donc je l'ai pris. Voilà. Oh, il est gros, dis donc. Et le petit embout pour aspirer. Avec la petite brosse pour nettoyer. Donc pour ça, je vous ferai comme l'autre, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais le découvrir en même temps que vous. Il n'y a pas de pile, évidemment. Donc il s'ouvre comme ça. Bah alors. Bon, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Parce que là, honnêtement, je galère à le remettre. Je galère à le remettre. Donc, je regarderai. Là, clairement, j'arrive pas à le remettre. Mais bon, après, c'est moi. Hein, je suppose que c'est tout simple et que c'est juste moi qui n'y arrive pas. Donc, je regarderai ça. Et puis je vous ferai une vidéo pour vous dire comment ça fonctionne. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme toujours, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !